On retrouve Sonia Dridi, l'une de nos envoyées spéciales. Quelle est l'atmosphère Place Tahrir et qu'est-ce qui est prévu? Alors ici, Judith, il y a beaucoup de joie et de bonne humeur. C'est vraiment une journée de célébration. Il y a eu le vendredi de la colère, le vendredi du départ. Et aujourd'hui, c'est vraiment le vendredi de la victoire. J'ai parlé donc ici, les gens nous disent qu'ils sont là vraiment pour célébrer leur martyr, célébrer la démission du Raïs il y a tout juste une semaine. Un membre de la commission de la Révolution me disait aujourd'hui qu'ils attendaient donc beaucoup de manifestants, comme vous le voyez derrière moi, qui commencent déjà à arriver, mais il n'était pas question que ces Égyptiens restent sur la place Tahrir dormir ce soir. C'est vraiment juste une journée de célébration. Par contre, c'est quand même un avertissement à l'armée pour dire que les manifestants restent sur leur garde et que de toute manière, ils continueront à venir ici une fois par mois, chaque premier vendredi du mois, tant que leurs revendications tant que l'armée n'aura pas accepté leurs revendications, telles que la levée de l'état d'urgence ou encore la révision de la Constitution. Alors comment la situation et surtout cette journée peut-elle évoluer ? Alors, on peut s'attendre à quelques tensions parce que dans un quartier tout proche de la place Tahrir, dans le quartier de Mohandisin, qui est un quartier bourgeois du Caire, il y a une manifestation pro-Moubarak qui est prévue et des anti-Moubarak ont l'intention de venir s'y rendre. Donc, les pro-Moubarak ont prévu d'avoir des pancartes « Nous sommes désolés, Moubarak, après tout ce qu'il s'est passé ». Donc, on peut s'attendre à certaines tensions, mais ce qu'on remarque ici, c'est que l'armée est vraiment pour l'instant conciliante ici avec les anti-Moubarak qui sont venus célébrer leur victoire. Il y a vraiment des chars, mais qui sont beaucoup moins nombreux que d'habitude. Et chose pas du tout encore vue jusqu'à aujourd'hui, ils distribuent même des drapeaux aux manifestants. Et d'ailleurs, un militaire m'a donné ce drapeau tout à l'heure. Donc vraiment, il y a une sorte de conciliation, de bonne ambiance, d'ambiance bon enfant avec les manifestants. Merci Sonia Dridi.